Aujourd'hui, nous allons cuisiner un crabe. Ce crabe est appelé crabe dormeur ou tourteau. C'est un assez gros animal que l'on pêche près des côtes dans la région. Regardez, voici l'animal. Il pèse 1,5 kg. Nous allons préparer un bouillon avec de l'échalote, de l'ail, du vin blanc, un peu de vinaigre, condiments, herbes de Provence, thym et laurier, bien sûr, et le poser dedans. Commençons la préparation. Alors, en premier, nous allons couper grossièrement l'échalote et l'ail et mettre dans la marmite. Voilà. Nous versons ensuite le vin blanc. Voilà. L'équivalent d'une cuillerée à soupe de vinaigre. Voilà. Nous ajoutons les herbes. Herbes de Provence, thym. Et poivre noir. Maintenant, nous disposons le crabe, les pattes en l'air, dans la casserole, comme ceci, et nous le mouillons sans arriver au-dessus de la carapace. L'ensemble du crabe ne doit pas être détrempé. Et voici, nous couvrons avec un couvercle. Voilà. Et nous allons le poser sur le feu. Nous allons mettre la chauffe en marche à la puissance maximum. Lorsque l'ébullition sera atteinte dans la casserole, nous allons mettre à feu lent durant environ 12 minutes. Le crabe est cuit, nous allons le sortir du feu. Voilà, et nous allons épuiser le crabe pour le poser sur une assiette. Et voilà, on attend qu'il se refroidisse un peu et il est prêt à manger.